Excusez-moi. Va jouer plus loin, s'il te plaît. Allez, ce qui t'est arrivé. Hein. Tu n'auras plus rien. Rentre chez toi. Oh, j'ai un poil à la tête. Pourquoi tu dis que j'aurai plus rien? Je peux payer ce que je bois. Regarde, j'ai de l'argent. Tu peux compter si tu veux. Allez, resserre-moi un verre. Ça suffit maintenant. Tu rentres chez toi. Je ne veux pas d'histoire avec la police. Prends ton argent et rentre chez toi. Connard. J'ai à rire, toi. Poussez-vous, là. Pas de bagarre ici, Caillou, tu entends? Emmène-le, Alfred. Eric, s'il te plaît, encore un verre. Non, Alfred, va te revenir chez toi tout de suite. Allez, va-t'en, ça suffit. Allez, viens, avance. Oh, toi, me touche pas. Et tu ne me laisses pas prendre sa voiture. Belle épée, lâche-moi. Oh, dégage. Allô, madame Kayunka? Oui. Votre mari rentre à la maison et il est complètement sourd. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Joseph va arriver, il est plein comme un œuf. Allez mettre vos filles en sécurité tout de suite. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'avez entendu? Oui. Où veux-tu que j'aille, maman? Je sais pas, mais je ne veux pas que ton père te trouve ici. S'il me demande où tu es, je veux pouvoir dire que je ne le sais pas. Je t'en prie, prends ton vélo. C'est pas la première fois que tu dois partir. Tu as certainement des amis. Non, je n'ai plus aucune amie. Personne ne veut plus rien avoir à faire avec moi. Je t'en prie, ne m'en veux pas. Je ne sais pas où tu dois aller, mais en attendant, dépêche-toi de partir. Bien. Toi, tu vas vite dans ta chambre. Tu t'enfermes à double tour et tu n'auras personne. Tu te mets tout de suite dans ton lit. Et tu gardes tes vêtements. Tu n'as pas pris de vêtements chauds, il fait froid dehors, ça n'est pas raisonnable. Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris ton gros blouson? Oh, c'est trop tard, maintenant dépêche-toi, disparais. Je vais aller où? N'importe où, pourvu qu'il ne te trouve pas. Et appelle-moi. Et qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça, toi? Où elle est, Anya? Anya est partie en vélo. Comment ça, elle est partie en vélo? C'est toi qui l'as fait partir, vieille sorcière? Je vais te regretter ça. Millie! Où est la petite? Elle est enfermée dans sa chambre. Millie, ouvre tout de suite cette porte! Ouvre cette porte, t'entends, tu veux obéir à ton père? Millie, ouvre! Oui. Maman, je veux rentrer à la maison. Non, il n'est pas encore endormi. Il n'a pas touché Millie, j'espère. Il a tapé dans la porte comme un fou, mais Millie ne lui a pas ouvert. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je suis morte de froid. Oh mon Dieu, mais descends dans le métro, tu auras chaud. Dans le métro? Mais j'aurai encore plus peur là-dessous. Écoute, rappelle-moi dans une heure. Je sais voir avec qui tu papotes, là. Si c'est Anya, dis-lui de rentrer tout de suite à la maison. Rentre à la maison tout de suite, tu entends?
Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? La porte était ouverte. Je n'ai rien pris, je vous le jure. C'est déjà ça. Tu peux me dire ce que tu fais là? C'est ton vélo qui est contre la barrière? Oui, c'est bien mon vélo. Désolée, je ne voulais pas vous déranger. Une minute. Pardon. Tu vas d'abord me dire ce que tu fais là et tu pourras t'en aller. Tu voulais dormir ici? Je ne peux pas encore rentrer chez moi. D'accord. Allez, viens avec moi. Je veux savoir ce qui t'arrive. Tu vas tout me raconter du début à la fin. Pourquoi tu ne peux pas rentrer chez toi? Je peux aussi appeler la police, si tu préfères. Je peux téléphoner. Ah oui, l'appareil est là-bas. Maman, je peux rentrer maintenant? D'où tu m'appelles, ma chérie? Où te caches-tu? Non, Anya, non, ne rentre pas! C'est encore cette petite tannée! Passe la voir! Tu rentres à la maison ou je vais te chercher? Puis-je savoir à qui tu parlais? À ma mère. Et alors? Tu peux rentrer chez toi? Non, mon père. Mon père est encore sous. Va t'asseoir là-bas. Il vient de dire que ton père était sous. Il te frappe quand il boit? Je crois que j'ai compris. Pas très joli. Tu peux rester ici si tu veux. Mais pas dans la cabane de jardin. Donne-moi tes mains. Donne. Elles sont complètement glacées. Bien, maintenant réfléchissons à ce que nous allons bien pouvoir faire de toi. D'abord, tu vas aller prendre un bain. Ou une douche bien chaude. Suis-moi, je vais te montrer. Ici, tu ne risques rien. Entre, je t'en prie. Tu vas pouvoir te déshabiller ici. La salle de bain est juste à côté. Non, attends, pas maintenant. Laisse-moi ressortir. Alors, tu prends ton bain et tu te mets tout de suite au lit. Hein? Tu peux t'enfermer de l'intérieur. Tu as une clé là. Allô? C'est toi? Non, j'ai un travail à terminer. Mais tu n'es pas encore rentré? Si. Lise, écoute bien ce que je vais te dire. J'ai une invitée à la maison. Il s'agit d'une petite fille. Là, elle est sous la douche. Elle va passer la nuit dans la chambre d'amis. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, ça n'est pas une histoire. Je l'ai trouvée dans la cabane du jardin. Elle se cachait. Elle était complètement gelée. Elle m'a regardé comme un animal qu'on sort de sa cachette. Et en fait, c'était le cas. Elle voulait se cacher de son père, qui la viole chaque fois qu'il est sous. Elle est venue se réfugier chez toi. Quel âge a cette petite?
Je sais pas, 18 ou 19 ans. Mais alors ce n'est plus une petite fille. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire qu'une fille de 18 ans n'est plus une enfant, voilà tout. Elle va dormir chez toi. Oui, bien sûr qu'elle va dormir chez moi. Je ne vais pas la renvoyer dans la cabane. Demain, je la reconduirai chez elle et j'essaierai de parler à son père. Fais attention à toi. Tu t'engages sur un terrain que tu ne connais pas et qui est très dangereux. D'accord? Bon courage. Ciao. Ça n'est pas gentil, tu sais. Je te prépare un délicieux petit déjeuner et toi, tu ne touches à rien. Tu n'as pas faim? Tu as peur de rentrer chez toi? N'aie crainte, je serai avec toi. Je vais rentrer à la maison avec mon vélo. Il n'en est absolument pas question. Le vélo reste là, tu viendras le récupérer plus tard. Je te ramène chez toi en voiture. Non, je vous assure... Basta! Tu vas encore à l'école? Non. Alors tu travailles, qu'est-ce que tu fais? Je suis dans les fleurs. Horticultrice? Non, vendeuse. C'est bien. C'est un très joli métier. Et la nuit, tu dois fuir la cruauté de ton père. Oui, ça ne va pas être facile tous les jours. Ma mère et ma sœur Amélie. Bonjour. Tout va bien, Trésor? Où étais-tu jusqu'à maintenant? Je peux savoir qui est ce monsieur? Monsieur Arens, j'ai récupéré votre fille au milieu de la nuit. Elle ne savait pas où aller, alors je l'ai prise avec moi à la maison parce que dehors, elle serait morte de froid. Dépêche-toi maintenant, sinon tu vas être en retard à l'école. On se verra à midi. Ah oui, d'accord, je vois. Alors dans ce cas, je dois vous remercier d'avoir accepté d'aider ma fille, monsieur. Non, c'est rien, je vous en prie. Mais j'aimerais monter et parler à votre mari. Non, c'est pas possible. Mon mari n'est pas encore réveillé. Excusez-moi. Il s'est endormi très tard. Alors on va le réveiller. Pourquoi voulez-vous faire ça? Madame Kayunke, cette nuit, Anya s'est réfugiée dans une cabane de jardin. Elle fuyait pour échapper à son père et j'ai compris pourquoi. Alors maintenant, je suis ici et je ne pourrai en aucun cas faire demi-tour et rentrer chez moi tranquillement comme s'il ne s'était rien passé. Tu me suis? Tiens, t'es déjà de retour. Je peux savoir qui est ce type? Tu peux me dire d'où il sort? Je vais vous dire avec plaisir qui est ce type. Cette nuit, ce type a ramassé votre fille dans la rue parce qu'elle était en fuite. Elle aurait très bien pu mourir de froid. Alors maintenant, je vous la ramène. D'accord, c'est bien, merci. Maintenant, disparaissez. Pourquoi mon café, il n'est pas encore prêt? Oui, je m'en occupe tout de suite. Et fous-moi ce type dehors, t'entends? Mais qu'est-ce qu'il fait encore ici? Je lui ai jamais demandé d'entrer à lui. Alors demande-lui de sortir de chez moi. À moins que tu racontes des conneries à ce type. Mais pourquoi aller raconter ce que tout le monde sait? Ce que tu fais subir à ta fille quand tu es sous. Tu devrais être mort de honte. Et voyons ce que je fais à ma fille, ne la tue pas que je sache. Elle s'en est jamais plainte. Ce serait plutôt le contraire. Tu veux aller voir la police, sans doute? Ou alors toi? Non.
mais que je n'apprenne pas que vous l'avez touché. Qu'est-ce que tu feras? Je vous préviens, vous allez la laisser tranquille. Et je vous conseille de prendre mon avertissement au sérieux. Écoutez-moi ce type. Il n'est pas rigolo. Tu trouves pas que ce type est rigolo? Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu t'énerves comme ça. Après tout, de quoi est-ce que tu te mêles? Imagine-toi que ce type te saute dessus et qu'il te casse la figure. J'y ai pensé, je m'étais préparé à cette éventualité et ça m'aurait fait plaisir de le corriger. Ah oui. Est-ce que tu comptes revoir cette fille? Elle doit repasser à la maison pour récupérer son vélo. Alors fais attention à toi. Quatre semaines plus tard. Oui. Mais oui, dépêchez-vous, s'il vous plaît. J'étais justement sur le point de partir. Bon, eh ben moi, je vous laisse. Bonne soirée. Un instant, Stéphane, on arrive tout de suite. On arrive où et pourquoi? Tu n'iras pas au cinéma ce soir. Ben pourquoi? On vient de m'appeler pour un meurtre. Et alors? Eh bien, on doit y aller. Moi qui voulais aller voir un bon film policier, c'est encore raté pour cette... Désolé, Stéphane, ce sera pour une autre fois. Bonsoir. 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 La victime a été tuée d'un coup de couteau en plein cœur. Nous ne pouvons malheureusement pas faire grand-chose. Passez une bonne nuit. Docteur, je n'apprécie pas du tout votre ironie. Madame Kayunk, votre mari est couché là, dans le hall d'entrée. Oui, je sais, vous en avez l'habitude, mais cette fois-ci... Messieurs, messieurs, Madame Kayunk vient d'arriver. Votre mari, Madame Kayunk, eh bien, quelqu'un... Ah, je ne sais pas comment dire ça... Quelqu'un vient de... Oh, que c'est triste. Et la petite va voir ça. Oui. Je ne peux absolument rien vous dire. Mon mari n'était pas rentré lorsque je suis sortie. Je lui ai laissé son repas à la cuisine pour qu'il n'ait plus qu'à le réchauffer. Et ensuite, je suis partie tout de suite rejoindre ma fille, Millie, qui avait une soirée de sport dans son école. Et j'ai préféré aller la récupérer parce que je n'aime pas qu'elle se balade toute seule le soir dans la rue. Vous avez tout à fait raison. Votre mari travaille? Oui. Il est conditionneur dans une entreprise d'expédition. Il n'était pas encore rentré à la maison. Non, il va souvent boire un verre avant de rentrer. Vous savez, il est très tard quand il rentre à la maison. Tu veux vraiment venir avec moi? Oui, je ne te laisse pas seul. Mais ils sont déjà là-haut. Qui? Les messieurs de la police criminelle. Tu n'aurais pas dû dire ça, la petite fouille. Mais pourquoi pas, puisque c'est la vérité. Maman. Oh. Voici Anya, c'est ma fille aînée. Emmène Millie dans sa chambre et aide-la. Viens, Millie. J'ai fait la connaissance d'Anya tout à fait par hasard, il y a environ un mois. Elle est arrivée en pleine nuit. Elle fuyait de chez elle pour échapper à son père. Elle cherchait une cachette. Elle voulait se protéger de lui. Pourquoi? Parce qu'il la battait? Non, non. Pour une autre raison. Vous voulez dire que... Oui. C'est bien ça. Ça se produisait chaque fois qu'il était sous. Pour moi, ça n'était pas un père. Pour moi, ce n'était qu'un cochon brutal. Alors, vous connaissiez le père d'Amien? Oui. Je suis venu le trouver ici pour lui dire ce que je pensais de lui. Comment a-t-il réagi? Comme un idiot. C'était un impulsif. Il réalisait tout à fait ce qu'il faisait, seulement... il n'était pas prêt à l'admettre. Vous l'avez rencontré il y a un mois? Exact. Et depuis ce jour, j'ai décidé de m'occuper de sa fille.
D'où venez-vous à cette heure-ci? De chez moi. Anya était avec moi. À présent, elle vit chez moi, de temps en temps. Elle a enfin réussi à trouver quelqu'un auprès de qui elle est en sécurité. C'est une nouvelle expérience pour elle. Elle s'émerveille devant le fait que quelqu'un s'intéresse vraiment à elle et... Je dois vous dire que je suis écrivain. Et les gens, surtout les gens très malheureux, m'intéressent beaucoup. Est-ce qu'Anya peut rester à la maison ce soir? Mais bien sûr qu'elle peut rester. Maintenant, vous allez avoir besoin d'elle. Mais rassurez-vous, je vais vous aider. Tout est terminé, Anya. Toutes ces horreurs sont enfin terminées. Anya, tout est terminé. Toutes ces horreurs sont terminées. Stéphane, ce type ne t'a pas choqué? Depuis tout à l'heure, je me demande ce qu'il fait là. Comment il est arrivé chez ces gens-là? Ce n'est pas du tout son milieu. Il n'est pas arrivé chez ces gens, il est tombé parmi eux. Justement, je pense que ce ne serait pas inutile de s'intéresser également à lui. Non. Tu as raison, ce ne serait pas inutile. Bonjour, monsieur l'inspecteur principal. Bonjour. Vous vouliez me voir? Je suis là. Bien. Et j'avoue que je suis très curieux. Curieux de quoi? De savoir ce que vous me voulez. Je vous en prie. Oui, merci. C'est par là. C'est par ici. Oui. Alors, avez-vous découvert quelque chose? Non, rien, rien du tout. Vous êtes vraiment bien installé dans cette maison. Je vous envie beaucoup. Vous avez la chance de pouvoir travailler chez vous. Oui, lorsque je ne suis pas à l'autre bout du monde, c'est ici que j'écris tous mes articles. J'écris très souvent le récit de mes voyages et j'écris également des articles pour des revues. Ah oui. Quelle est la raison de votre visite? La jeune fille, Anya. Comme vous nous l'avez dit quand on vous a vu hier soir, M. Kayunke abusait souvent d'elle, chaque fois qu'il rentrait chez lui en état d'ébriété. Oui, c'est inconcevable. Inconcevable, vous savez, pour moi, de tels actes sont à peine imaginables. Et ils font pourtant partie d'une réalité. Je ne comprends pas toujours cette réalité, et seulement, c'est une réalité. Vous avez du mal à imaginer cette réalité, je vous comprends. Oui, je n'imaginais pas que de telles choses puissent exister. Comment pourriez-vous décrire Anya? Je veux dire, en tant qu'écrivain. Oh. Oh, je ne sais pas. Peut-être comme... Peut-être comme une plante desséchée. Et ses parents, comme un sol aride, pour garder cette image. Un sol où rien ne pousse, où rien ne peut évoluer. En tant qu'être humain, elle existe, mais elle n'a pas d'âme. Et je présume que vous avez décidé de redonner une âme à cet être humain à qui on l'avait volé, c'est bien cela? Oui, c'est exact. Le lendemain, elle est venue pour récupérer son vélo. Je l'avais mis à l'abri dans mon garage. Elle voulait repartir tout de suite. Sans un mot, d'une certaine manière, elle fuyait encore. Mais elle s'est arrêtée. Et tout à coup, la terreur était là. Cette peur, cette volonté de fuir. Alors je me suis demandé si elle voulait me fuir aussi. Mais elle est venue me rejoindre à la maison. Comment va ton père ? Est-ce que tu l'as vu ce matin? Ne secoue pas la tête. Réponds-moi oui ou non. Non. Comment ça, non? Ce matin, je ne l'ai pas vu. Tu t'as laissé tranquille la nuit dernière? Oui. Il n'est pas venu. Elle a dit, il n'est pas venu. Cela m'a bouleversé. Par ces mots, elle m'a complètement ému. Non, il n'est pas venu. Ouais, et puis elle a repris son vélo et elle est partie. Et ensuite, quand l'avez-vous revue? Là, il faut que je vous raconte quelque chose d'étonnant.
vraiment. Et c'est cela que vous appelez quelque chose d'étonnant. Oui, oui. Et cet événement m'a poussé à appeler la famille Kayunke très tôt, dès le lendemain matin. C'est Madame Kayunke qui m'a répondu. Je lui ai demandé ce qui s'était passé la nuit d'avant, lorsque son mari était rentré le soir à la maison. Je voulais savoir dans quel état il était. J'ai dû avoir l'air complètement idiot. Oui, mais ça vous a donné envie de continuer. Oui, vous avez raison. J'ai passé toute la journée en ville à ma maison d'édition et tout à coup, sans savoir comment, j'étais devant chez les Kayunke. Tout d'abord, quand je me suis trouvé devant la porte, je me suis dit « Mais qu'est-ce que tu viens faire là ?» Et puis, quand je suis entré dans l'appartement, je le savais. J'ai appris que le patron du bar vous appelait systématiquement pour vous prévenir du retour de votre mari. Il vous dit toujours « Votre mari va bientôt arriver, il est encore sous, vous devez mettre vos filles en sécurité. » C'est bien ça ? Oui ? Oui, oui, c'est ce qu'il me dit. Si ça se produit de nouveau, vous ne devez pas laisser Anya dans la rue. Dites-lui tout de suite de venir chez moi. Vous avez bien compris. Oui. Et votre deuxième fille, Millie? Est-ce qu'il la touche également? Mais... Non, pas jusqu'à ce jour. J'ai laissé une femme complètement effrayée. Ensuite, je suis rentré chez moi. J'en étais encore tout secoué. Je me suis expliqué cette situation comme un total abandon. Est-ce que le cas s'est présenté à nouveau? Quel cas? Est-ce que cette femme a profité de votre offre de l'aider? Oui, effectivement, une semaine après. Je regardais par la fenêtre, il faisait nuit noire, lorsque j'ai aperçu le vélo. C'était bien son vélo, et j'ignorais où était Anya. Bonsoir, dois-je en déduire que tu fuis encore ton monstre de père? Cette situation se reproduit souvent. Je lui ai d'abord préparé une tasse de café. Puis je lui ai demandé si elle avait mangé quelque chose. Elle n'avait pas dîné. Alors je l'ai nourrie, comme on donne la béquille à un petit chat. Et ensuite je l'ai envoyée se coucher. Madame, votre fille est à nouveau ici. Je suis désolé, Madame Kayunke, seulement cette fois je dois faire quelque chose. Je vais prévenir la police immédiatement. Pardon? Alors j'ai appris que son mari n'était pas encore rentré à la maison, en fait. Anya était venue comme ça chez moi. Sans raison, sans pression. Juste comme ça. J'étais furieux contre elle. Je suis allé la voir, j'avais envie de lui dire « Mais ça suffit maintenant, reprends ton vélo, rentre chez toi, laisse-moi tranquille. » J'y suis allé et... Écoute, Anya, ça ne va pas. Je restais sans voix. Plus rien ne me venait. Mais je vivais une aventure que je n'avais jamais vécue auparavant. Je savais que je n'ai pensé qu'à ça toute la journée. Je me disais, tu n'as qu'à aller t'asseoir devant sa porte et ensuite tu verras bien s'il te laisse entrer ou bien s'il te laisse assise dehors ou bien s'il est d'accord. Dès que j'ai vu ton vélo dans le jardin, je suis allé ouvrir la porte. Et je me suis dit, maintenant c'est sûr, il va vouloir te mettre dehors. C'est ce que je voulais faire, après. Mais dis-moi, tu es en train de parler là. Tu as l'air heureuse, tu pétilles comme une bulle de champagne, peux-tu me dire ce qui s'est passé? Je n'ai pas encore très bien compris, mais c'est la première fois que je dors correctement. Alors, dans ce cas, je vais te louer la chambre. Et alors, vous lui avez loué la chambre? Il m'a dit, j'aimerais seulement pouvoir venir de temps en temps. Et là, oh, j'ai fait spontanément quelque chose de complètement fou. Bien.
Maintenant, tu vas avoir ta propre clé de la maison. Avec ça, tu pourras aller et venir comme tu voudras. Et aujourd'hui, je repense encore à cette fabuleuse décision. Oui, et avez-vous une explication à cette fabuleuse décision, comme vous l'appelez? Ça vous intéresse? Oui. Excusez-moi. Ah, c'est toi? Oui. Et j'ai de la visite, un inspecteur de la police criminelle. Ah, oh, vous êtes là pour le père de la petite Anya? Vous avez le meurtrier? Non. Monsieur Derrick. Lunoff. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà une idée sur le mobile qui a poussé quelqu'un à assassiner oui, cet homme? Enfin non. Mon métier consiste d'abord à réfléchir et faire le tour de la situation. Vous connaissez Anya? Oui, je l'ai rencontrée ici. Je me suis étonnée du fait qu'elle soit seule dans la maison. J'ai vu tout de suite que cette jeune fille n'était pas dans son assiette. Naturellement, je lui ai demandé comment elle était entrée dans la maison. Mais j'ai vite compris qu'elle n'était pas en état de répondre. Seulement, elle m'a montré une clé et elle ne m'a rien dit. Une clé que je lui avais donnée. Alors je lui ai montré ma clé. Et je lui ai dit, alors vous voyez, j'en ai une aussi. Puis je lui ai demandé quelle était la bonne. Et alors? Comment a-t-elle réagi? Elle a posé la clé sur la table et elle est sortie. Je peux continuer l'histoire? C'est vrai, elle a posé la clé et elle est partie. Puis elle m'a téléphoné et elle a dit « Ça ne me plaît pas que d'autres femmes que moi aient une clé de la maison. » C'est bien ça? Oui. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis venue aujourd'hui te rendre la clé que tu m'as donnée. Tu sais où la déposer? Dois-je te raccompagner? Non. Elle ne lui a pas seulement repris la clé qu'elle avait. Elle lui a également repris l'unique endroit qu'elle avait trouvé où elle se sentait enfin en sécurité. Vous savez ce que ça représente? Alors, qu'avez-vous décidé de faire après ça? Ce que j'ai décidé de faire après? Tout était perdu, alors il fallait que j'intervienne avant que la petite ne se sente trahie. Je suis monté dans ma voiture, je suis allé voir la maman d'Anya. Excusez-moi d'arriver ainsi, je suis inquiet. Où est Anya? Pas ici. Bien. Vous avez vu Anya? Anya! Elle est rentrée? Partez tout de Anya. Suite! Ah. Quoi, Anya? Anya, 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 Anya! Non mais qu'est-ce que tu veux à ma fille, toi, hein? Je veux savoir pourquoi tu lui cours après. Je t'interdis de toucher un seul cheveu de ma petite Anya. À votre avis, monsieur Derrick, que croyez-vous qui se soit passé dans ma tête à cet instant? Vous avez eu envie de tuer cet homme. Cette pensée est-elle répréhensible? Non, mais c'est la première étape d'un cheminement... Qui pousse à assassiner quelqu'un? Oui. Je veux bien reconnaître que j'ai eu envie de le tuer. Et je me sentais capable de le faire. Je vous dis tout ça comme un idiot. Ce qui est remarquable avec vous, c'est que vous n'en êtes pas un. Ça, je n'en serais pas aussi sûr que vous. Alors... Je t'ai cherché toute la journée. Et puis quand es-tu là? Je n'en sais rien. Tu es complètement gelé. Viens contre moi. Alors maintenant, tu vas prendre une douche bien chaude et tu y vas que ça te plaise ou non. Tu as entendu ce que je t'ai dit?
Assieds-toi. J'ai préparé du thé avec du rhum. Je vais te l'apporter. C'est à cet instant que j'ai compris que j'étais amoureux d'elle. Ah, très bien. Alors c'est ça que vous vouliez me raconter, que vous étiez amoureux de cette fille. Oui. Il fallait que vous le sachiez. Mais vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous teniez à ce que je sois au courant de tout. C'est ça qui m'intéresse. J'ai écouté très attentivement toute votre histoire. Et il reste encore quelque chose que vous avez oublié de me raconter. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Que lorsque vous vous êtes disputé avec M. Kayonke, il a hurlé, il vous a jeté dehors de son appartement. Mais en réalité, vous avez oublié de me dire qu'il vous avait menacé avec un couteau. C'est bien exact. N'est-ce pas, Monsieur Arens? Oui. C'est bien, ce couteau? C'est possible. Non, pas possible. C'est certain, c'est l'arme du crime. Nous avons trouvé ce couteau dans la poubelle de la cour. Il a été assassiné avec son propre couteau, celui que vous voyez là. Alors, vous voyez, vous m'avez dit sans hésiter que vous aimiez cette petite. Oui. Vous voulez faire votre vie avec Anya? Oui. Tu as passé ta vie à prendre la fuite. Toute ta vie, tu as cherché un endroit où tu puisses vivre sans avoir peur. À présent, tu l'as trouvé. Et j'espère que tu vas rester. Écoute, tu vas rentrer chez toi, emballer tes affaires, et dès que tu seras prête, appelle-moi, je viendrai te chercher. Tu veux? Oui. C'était le jour du crime, n'est-ce pas? Mmh. Vous avez accompagné Anya chez ses parents? Non, non, elle est repartie toute seule sur le vélo avec lequel elle était venue. Pourquoi ce couteau était là? Vous n'avez jamais pris ce couteau en main? Maintenant, Monsieur Arens, je vais vous emmener. Où ça? Sur les lieux du crime. Il s'agit à présent de reconstituer ce qui s'est réellement passé dans cette maison le soir du crime. Il a été tué à quelle heure? D'après le rapport du médecin légiste, M. Kayonke a été tué à 21h30. D'où venait M. Kayonke à ce temps-là? Il arrivait d'une taverne, où il venait de passer 3 heures, et lorsqu'il a quitté cette taverne, il était ivre une fois de plus. Il y a un accord tacite entre le patron de la taverne et Mme Kayonke. Lequel? Chaque fois que M. Kayonke quittait la taverne complètement ivre, il devait appeler Mme Kayonke. Est-ce qu'il a réussi à joindre Mme Kayonke? Non. Il n'a pu parler qu'à sa fille Anya. Ah oui, c'est vrai, tu as raison, Madame Kayonke était allée chercher sa fille Millie à l'école à la fin d'une réunion sportive. Le patron du bar a dit, oui, il nous a dit qu'il avait parlé uniquement avec Anya. Est-ce que vous confirmez la déposition de cette personne? Oui. Que vous a dit le patron du bar? Il m'a dit
C'est justement à vous que je voulais parler. Dépêchez-vous de quitter l'appartement avant que votre père arrive. Non. Qu'a dit exactement le patron du bar? Il lui a dit que son père arrivait et qu'il avait dit qu'il voulait vérifier si sa fille était devenue une femme. Oui, alors vous étiez seul chez vous et votre père allait arriver. Pouvez-vous me dire ce que vous avez fait? Elle m'a appelé tout de suite. Paniquée, complètement paniquée. Elle m'a dit, viens vite, viens me chercher, je t'en supplie. Êtes-vous parti la chercher? Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé le plus vite possible. Est-ce que vous êtes arrivé à temps? Anya, s'il vous plaît. Je sais que t'es à la maison! Anya! Anya, ouvre cette porte, s'il te plaît, ouvre! Ouvre cette porte, Anya! Ouvre-moi! J'ai trop bu, j'ai besoin d'aller me coucher, ouvre-moi! Je t'en supplie! S'il te plaît, Anya, ouvre-moi cette porte! Non, non, tu ne souffres pas. Anya! Anya! Lâche-moi! Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu sais que je t'aime. Anya! Anya! C'est lui, restez là. Des os, reviens tout de suite! Anya! Restez où vous êtes. Vous ne mêlez pas de nos affaires. J'ai voulu lui enlever le couteau des mains. J'ai commencé par le blesser au bras. Et je l'ai poignardé avant qu'il réagisse. Dis la vérité! Non, Anya! Montre-leur! Oui, oui, c'est vrai, il m'a surpris, et la lame du couteau... Mon père! Non, Anya! Mon père a fait tomber Anya. Le couteau qu'il tenait à la main. Je me suis précipitée pour Anya. Le prendre. Et je lui ai enfoncé dans le ventre, de toutes mes forces! On a un métier pas facile, je la plains pour fille. Mais elle va être libérée tout de suite. Légitime défense. Alors? Oui. Oui, quoi? Je... Thank you.
Elle est rentrée? Partez tout de suite. Quoi, Anya? Anya, 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 Anya. Non mais qu'est-ce que tu veux à ma fille, toi, hein? Je veux savoir pourquoi tu lui cours après. Je t'interdis de toucher un seul cheveu de ma petite Anya. À votre avis, monsieur Derrick, que croyez-vous qui se soit passé dans ma tête à cet instant? Vous avez eu envie de tuer cet homme. Cette pensée est-elle répréhensible? Non, mais c'est la première étape d'un cheminement... Qui pousse à assassiner quelqu'un? Oui. Je veux bien reconnaître que j'ai eu envie de le tuer. Et je me sentais capable de le faire. Je vous dis tout ça comme un idiot. Ce qui est remarquable avec vous, c'est que vous n'en êtes pas un. Ça, je n'en serais pas aussi sûr que vous. Alors... Viens avec moi. Allez, entre. T'es cherché toute la journée. Depuis quand es-tu là? Je n'en sais rien. Tu es complètement gelé. Viens contre moi. Alors maintenant, tu vas prendre une douche bien chaude et tu y vas que ça te plaise ou non. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Assieds-toi. J'ai préparé du thé avec du rhum. Je vais te l'apporter. C'est à cet instant que j'ai compris que j'étais amoureux d'elle. Ah, très bien. Alors c'est ça que vous vouliez me raconter, que vous étiez amoureux de cette fille. Oui. Il fallait que vous le sachiez. Bon, Yves, il devait appeler Madame Kayunke. Est-ce qu'il a réussi à joindre Madame Kayunke? Non. Il n'a pu parler qu'à sa fille Anya. Ah oui, c'est vrai, tu as raison, Madame Kayunke était allée chercher sa fille Millie à l'école à la fin d'une réunion sportive. Le patron du bar a dit... Oui, il nous a dit qu'il avait parlé uniquement avec Anya. Est-ce que vous... vous confirmez la déposition de cette personne? Oui. Que vous a dit le patron du bar? Il m'a dit... C'est justement à vous que je voulais parler. Dépêchez-vous de quitter l'appartement avant que votre père arrive. Non. Qu'a dit exactement le patron du bar? Il lui a dit que son père arrivait et qu'il avait dit qu'il voulait vérifier si sa fille était devenue une femme. Oui, alors vous étiez seul chez vous et votre père allait arriver. Pouvez-vous me dire ce que vous avez fait? Elle m'a appelé tout de suite. Paniquée, complètement paniquée. Elle m'a dit, viens vite, viens me chercher, je t'en supplie. Êtes-vous parti la chercher? Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé le plus vite possible. Est-ce que vous êtes arrivé à temps? Anya, s'il vous plaît. Je sais que t'es à la maison! Anya! Anya, ouvre cette porte, s'il te plaît, ouvre! Ouvre cette porte, Anya! Ouvre-moi! J'ai trop bu, j'ai besoin d'aller me coucher, ouvre-moi! T'en supplie! S'il te plaît, Anya, ouvre-moi cette porte! Laisse-moi tranquille! Non, non, ne te sauve pas! Anya! Anya! Lâche-moi! Tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu sais que je t'aime! Anya! Anya, je t'ai livré
c'est là. Des ours, reviens tout de suite. Restez où vous êtes. Vous mêlez pas de nos affaires. J'ai voulu lui enlever le couteau des mains. J'ai commencé par le blesser au bras. Et je l'ai poignardé avant qu'il réagisse. Dis la vérité! Non, Anya! Montre-le! Restez où vous êtes. Vous mêlez pas de nos affaires. Non! Garou! J'ai voulu lui enlever le couteau des mains. J'ai commencé par le blesser au bras et je l'ai poignardé avant qu'il réagisse. Dis la vérité! Non, Anya! Montre-le! Oui, oui, c'est vrai, il m'a surpris et la lame du mon couteau. Père. Non, Anya! Mon père a fait tomber Anya. Le couteau qu'il tenait à la main. Je me suis précipitée pour Anya. Le prendre et je lui ai enfoncé dans le ventre de toutes mes forces. On a un métier pas facile, je la plains pour mais fille. Elle va être libérée tout de suite. Légitime défense. Alors oui. Oui, quoi? Je... Vous revu. Là, il faut que je vous raconte quelque chose d'étonnant. Vraiment. Et c'est cela que vous appelez quelque chose d'étonnant. Oui, oui.
Et cet événement m'a poussé à appeler la famille Kayunke très tôt, dès le lendemain matin. C'est Madame Kayunke qui m'a répondu. Je lui ai demandé ce qui s'était passé la nuit d'avant, lorsque son mari était rentré le soir à la maison. Je voulais savoir dans quel état il était. J'ai dû avoir l'air complètement idiot. Oui, mais ça vous a donné envie de continuer. Oui, vous avez raison. J'ai passé toute la journée en ville à ma maison d'édition et tout à coup, sans savoir comment, j'étais devant chez les Kayunke. Tout d'abord, quand je me suis trouvé devant la porte, je me suis dit « Mais qu'est-ce que tu viens faire là ?» Et puis, quand je suis entré dans l'appartement, je le savais. J'ai appris que le patron du bar vous appelait systématiquement pour vous prévenir du retour de votre mari. Il vous dit toujours « Votre mari va bientôt arriver, il est encore sous, vous devez mettre vos filles en sécurité. » C'est bien ça ? Oui ? Oui, oui, c'est ce qu'il me dit. Si ça se produit de nouveau, vous ne devez pas laisser Anya dans la rue. Dites-lui tout de suite de venir chez moi. Vous avez bien compris. Oui. Et votre deuxième fille, Millie? Est-ce qu'il la touche également? Mais... Non, pas jusqu'à ce jour. J'ai laissé une femme complètement effrayée. Ensuite, je suis rentré chez moi. J'en étais encore tout secoué. Je me suis expliqué cette situation comme un total abandon. Est-ce que le cas s'est présenté à nouveau? Quel cas? Est-ce que cette femme a profité de votre offre de l'aider? Oui, effectivement, une semaine après. Je regardais par la fenêtre, il faisait nuit noire, lorsque j'ai aperçu le vélo. C'était bien son vélo, et j'ignorais où était Anya. Bonsoir, dois-je en déduire que tu fuis encore ton monstre de père? Cette situation se reproduit souvent. Je lui ai d'abord préparé une tasse de café. Puis... Imaginez cette réalité, je vous comprends. Oui, je n'imaginais pas que de telles choses puissent exister. Comment pourriez-vous décrire Anya? Je veux dire, en tant qu'écrivain. Oh. Oh, je ne sais pas. Peut-être comme une plante desséchée. Et ses parents, comme un sol aride pour garder cette image. Un sol où rien ne pousse, où rien ne peut évoluer. En tant qu'être humain, elle existe, mais elle n'a pas d'âme. Et je présume que vous avez décidé de redonner une âme à cet être humain à qui on l'avait volé, c'est bien cela? Oui, c'est exact. Le lendemain, elle est venue pour récupérer son vélo. Je l'avais mis à l'abri dans mon garage. Elle voulait repartir tout de suite. Sans un mot, d'une certaine manière, elle fuyait encore. Mais elle s'est arrêtée. Et tout à coup, la terreur était là. Cette peur, cette volonté de fuir. Alors je me suis demandé si elle voulait me fuir aussi. Mais elle est venue me rejoindre à la maison. Comment va ton père ? Est-ce que tu l'as vu ce matin? Ne secoue pas la tête. Réponds-moi oui ou non. Non. Comment ça, non? Ce matin, je ne l'ai pas vu. On t'a laissé tranquille la nuit dernière? Oui. Il n'est pas venu. Elle a dit, il n'est pas venu. Cela m'a bouleversé. Par ces mots, elle m'a complètement ému. Non, il n'est pas venu. Ouais. Puis elle a repris son vélo et elle est partie. Et ensuite, quand l'avez-vous revue? Là, il faut que je vous raconte quelque chose d'étonnant. Vraiment. Et c'est cela que vous appelez quelque chose d'étonnant? Oui, oui.
Et cet événement m'a poussé à appeler la famille Kayung que très tôt, dès le lendemain, tu y vas, que ça te plaise ou non. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Assieds-toi. J'ai préparé du thé avec du rhum. Je vais te l'apporter. C'est à cet instant que j'ai compris que j'étais amoureux d'elle. Ah, très bien. Alors c'est ça que vous vouliez me raconter, que vous étiez amoureux de cette fille. Oui. Il fallait que vous le sachiez. Mais vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous teniez à ce que je sois au courant de tout. C'est ça qui m'intéresse. J'ai écouté très attentivement toute votre histoire. Et il reste encore quelque chose que vous avez oublié de me raconter. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Que lorsque vous vous êtes disputé avec M. Kayung, il a hurlé, il vous a jeté dehors de son appartement. Mais en réalité, vous avez oublié de me dire qu'il vous avait menacé avec un couteau. C'est bien exact. N'est-ce pas, Monsieur Ahrens? Oui. C'est bien, ce couteau? C'est possible. Non, pas possible. C'est certain, c'est l'arme du crime. Nous avons trouvé ce couteau dans la poubelle de la cour. Il a été assassiné avec son propre couteau, celui que vous voyez là. Alors vous voyez, vous m'avez dit sans hésiter que vous aimiez cette petite. Oui. Vous voulez faire votre vie avec Anya? Oui. Tu as passé ta vie à prendre la fuite. Toute ta vie, tu as cherché un endroit où tu puisses vivre sans avoir peur. À présent, tu l'as trouvé. Et j'espère que tu vas rester. Écoute, tu vas rentrer chez toi, emballer tes affaires. Et dès que tu seras prête, appelle-moi, je viendrai te chercher. Tu veux? Oui. C'était le jour du crime, n'est-ce pas? Mmh. Vous avez accompagné Anya chez ses parents? Non, elle est repartie toute seule sur le vélo avec lequel elle était venue. Pourquoi ce couteau était là? Vous n'avez jamais pris ce couteau en main? Maintenant, Monsieur Ahrens, je vais vous emmener. Où ça? Sur les lieux du crime. Il s'agit à présent de reconstituer ce qui s'est réellement passé dans cette maison le soir du crime. Il a été tué à quelle heure? D'après le rapport du médecin légiste, M. Kayung a été tué à 21h30. D'où venait M. Kayung à ce temps-là? Il arrivait d'une taverne où il venait de passer 3 heures et lorsqu'il a quitté cette taverne, il était ivre une fois de plus. Il y a un accord tacite entre le patron de la taverne et Mme Kayung. Lequel?
Chaque fois que M. Kayunke quittait la taverne complètement ivre, il devait appeler Mme Kayunke. Est-ce qu'il a réussi à joindre Mme Kayunke? Non. Il n'a pu parler qu'à sa fille Anya. Ah oui, c'est vrai, tu as raison, Mme Kayunke était allée chercher sa fille Millie à l'école à la fin d'une réunion sportive. Le patron du bar a dit... Oui, il nous a dit qu'il avait parlé uniquement avec Anya. Est-ce que vous confirmez la déposition de cette personne? Oui. Que vous a dit le patron du bar? Il m'a dit, c'est justement à vous que je voulais parler. Dépêchez-vous de quitter l'appartement avant que votre père arrive. Non. Qu'a dit exactement le patron du bar? Il lui a dit que son père arrivait et qu'il avait dit qu'il voulait vérifier si sa fille était devenue une femme. Oui, alors vous étiez seul chez vous et votre père allait arriver. Pouvez-vous me dire ce que vous avez fait? Elle m'a appelé tout de suite. C'est inconcevable. Inconcevable, vous savez, pour moi, de tels actes sont à peine imaginables. Et ils font pourtant partie d'une réalité. Je ne comprends pas toujours cette réalité, et seulement, c'est une réalité. Vous avez du mal à imaginer cette réalité, je vous comprends. Oui, je n'imaginais pas que de telles choses puissent exister. Comment pourriez-vous décrire Anya? Je veux dire, en tant qu'écrivain. Oh, je ne sais pas. Peut-être comme une plante desséchée. Et ses parents, comme un sol aride pour garder cette image. Un sol où rien ne pousse. Où rien ne peut évoluer. En tant qu'être humain, elle existe, mais elle n'a pas d'âme. Et je présume que vous avez décidé de redonner une âme à cet être humain à qui on l'avait volé, c'est bien cela? Oui, c'est exact. Le lendemain, elle est venue pour récupérer son vélo. Je l'avais mis à l'abri dans mon garage. Elle voulait repartir tout de suite. Sans un mot, d'une certaine manière, elle fuyait encore. Mais elle s'est arrêtée. Et tout à coup, la terreur était là. Cette peur, cette volonté de fuir. Alors je me suis demandé si elle voulait me fuir aussi. Mais elle est venue me rejoindre à la maison. Comment va ton père? Est-ce que tu l'as vu ce matin? Ne secoue pas la tête. Réponds-moi oui ou non. Non. Comment ça, non? Ce matin, je ne l'ai pas vu. On t'a laissé tranquille la nuit dernière? Oui. Il n'est pas venu. Elle a dit, il n'est pas venu. Cela m'a bouleversé. Par ces mots, elle m'a complètement ému. Non, il n'est pas venu. Ouais. Puis elle a repris son vélo et elle est partie. Et ensuite, quand l'avez-vous revu? Là, il faut que je vous raconte quelque chose d'étonnant. Alors je me suis demandé si elle voulait me fuir aussi. Mais elle est venue me rejoindre à la maison. Comment va ton père? Est-ce que tu l'as vu ce matin? Ne secoue pas la tête. Réponds-moi oui ou non. Non. Comment ça, non? Ce matin, je ne l'ai pas vu. On t'a laissé tranquille la nuit dernière? Oui. Il n'est pas venu. Elle a dit, il n'est pas venu. Cela m'a bouleversé. Par ces mots, elle m'a complètement ému. Non, il n'est pas venu. Ouais. Puis elle a repris son vélo et elle est partie. Et ensuite, quand l'avez-vous revu?
Là, il faut que je vous raconte quelque chose d'étonnant. Vraiment. Et c'est cela que vous appelez quelque chose d'étonnant. Oui, oui. Et cet événement m'a poussé à appeler la famille Kayunke très tôt, dès le lendemain matin. C'est Madame Kayunke qui m'a répondu. Je lui ai demandé ce qui s'était passé la nuit d'avant, lorsque son mari était rentré le soir à la maison. Je voulais savoir dans quel état il était. J'ai dû avoir l'air complètement idiot. Oui, mais ça vous a donné envie de continuer. Oui, vous avez raison. J'ai passé toute la journée en ville à ma maison d'édition, et tout à coup, sans savoir comment, j'étais devant chez les Kayunke. Tout d'abord, quand je me suis trouvé devant la porte, je me suis dit « Mais qu'est-ce que tu viens faire là ?» Et puis, quand je suis entré dans l'appartement, je le savais. J'ai appris que le patron du bar vous appelait systématiquement pour vous prévenir du retour de votre mari. Il vous dit toujours « Votre mari va bientôt arriver, il est encore sous, vous devez mettre vos filles en sécurité. » C'est bien ça ? Oui ? Oui, oui, c'est ce qu'il me dit. Si ça se produit de nouveau, vous ne devez pas laisser Anya dans la rue. Dites-lui tout de suite de venir chez moi. Vous avez bien compris ? Oui. Et votre deuxième fille, Millie ? Est-ce qu'il la touche également ? Mais... Non, pas jusqu'à ce jour. Oui, bien sûr qu'elle va dormir chez moi. Je ne vais pas la renvoyer dans la cabane. Demain, je la reconduirai chez elle et j'essaierai de parler à son père. Fais attention à toi. Tu t'engages sur un terrain que tu ne connais pas et qui est très dangereux. D'accord ? Bon courage. Ciao. Ça n'est pas gentil, tu sais. Je te prépare un délicieux petit déjeuner et toi, tu ne touches à rien. Tu n'as pas faim ? Tu as peur de rentrer chez toi ? N'aie crainte, je serai avec toi. Je vais rentrer à la maison avec mon vélo. Il n'en est absolument pas question. Le vélo reste là, tu viendras le récupérer plus tard. Je te ramène chez toi en voiture. Non, je vous assure... Basta ! Tu vas encore à l'école ? Non. Alors tu travailles, qu'est-ce que tu fais ? Je suis dans les fleurs. Horticultrice ? Non, vendeuse. C'est bien. C'est un très joli métier. Et la nuit, tu dois fuir la cruauté de ton père. Oui, ça va pas être facile tous les jours. Ma mère et ma sœur Amélie. Bonjour. Tout va bien, Trésor ? Où étais-tu jusqu'à maintenant ? Je peux savoir qui est ce monsieur ? Monsieur Arens, j'ai récupéré votre fille au milieu de la nuit. Elle ne savait pas où aller, alors je l'ai prise avec moi à la maison parce que dehors, elle serait morte de froid. Dépêche-toi maintenant, sinon tu vas être en retard à l'école. On se verra à midi. Ah oui, d'accord, je vois. Alors dans ce cas, je dois vous remercier d'avoir accepté d'aider ma fille, monsieur. Non, ça n'est rien, je vous en prie. Mais j'aimerais monter et parler à votre mari. Non, c'est pas possible. Mon mari n'est pas encore réveillé. Excusez-moi. Il s'est endormi très tard. Alors on va le réveiller. Pourquoi voulez-vous faire ça ? Madame Kayunke, cette nuit, Anya s'est réfugiée dans une cabane de jardin.
Elle fuyait pour échapper à son père et j'ai compris pourquoi. Alors maintenant, je suis ici et je ne pourrai en aucun cas faire demi-tour et rentrer chez moi. Excusez-moi. Va jouer plus loin, s'il te plaît. Laisse-moi. Je veux voir ce qui t'est arrivé. Tu n'auras plus rien. Rentre chez toi. Oh, j'ai un point à la tête. Pourquoi tu dis que j'aurai plus rien? Je peux payer ce que je bois. Regarde, j'ai de l'argent. Tu peux compter si tu... Allez, resserre-moi un verre. Ça suffit maintenant. Tu rentres chez toi. Je ne veux pas d'histoire avec la police. Prends ton argent et rentre chez Connard. Toi. Connard. Oh, j'ai ça à rire, toi. Repoussez-vous, là. Pas de bagarre ici, Caillouc, tu entends? Emmène-le, Alfred. Eric, s'il te plaît, encore un verre. Non, Alfred, va te revenir chez toi tout de suite. Allez, va-t'en, ça suffit. Allez, viens, avance. Oh, toi, me touche pas, hein. Et tu ne la laisses pas prendre sa voiture. Belle et pète, lâche-moi. Oh, hé. Dégage. Allô, Madame Kayunka? Oui. Votre mari rentre à la maison et il est complètement sourd. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Joseph va arriver, il est plein comme un œuf. Allez mettre vos filles en sécurité tout de suite. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'avez entendu? Oui. Où veux-tu que j'aille, maman? Je sais pas, mais je ne veux pas que ton père te trouve ici. S'il me demande où tu es, je veux pouvoir dire que je ne le sais pas. Je t'en prie, prends ton vélo. C'est pas la première fois que tu dois partir. Tu as certainement des amis. Non, je n'ai plus aucune amie. Personne ne veut plus rien avoir à faire avec Anna, moi. Anna, je t'en prie, ne m'en veux pas. Je ne sais pas où tu dois aller, mais en attendant, dépêche-toi de partir. Bien. Toi, tu vas vite dans ta chambre. Tu t'enfermes à double tour et tu n'ouvras personne. Tu te mets tout de suite dans ton lit. Et tu gardes tes vêtements. Tu n'as pas pris de vêtements chauds, il fait froid dehors, ça n'est pas raisonnable. Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris ton gros blouson? Oh, c'est trop tard maintenant, dépêche-toi, disparais. Je vais aller où? N'importe où, pourvu qu'il ne te trouve pas. Et appelle-moi. Ugh.